imaginons, là, tout de suite, là, un non-spectacle, pour prendre le terme encore une fois évoqué, c'est-à-dire un spectacle, et là, je reprends également ce qui a été dit, un spectacle, et sans histoire. Ça risque d'être un peu... long. Je m'appelle Jessuen Dinet, je suis à la fois acteur, metteur en scène et aussi auteur avec ce texte. Et je suis directeur artistique d'une compagnie qui s'appelle la compagnie Pop Manuscrit. En ce moment à Château-Vallon, on est dans résidence de recherche. On a commencé il y a 6 mois avec une première version du texte. Il y a eu plein de versions du texte. Et en fait, j'écris le texte au fur et à mesure avec la participation des acteurs, c'est-à-dire qu'ils prennent part à l'écriture. C'est à la fois un matériau qui est fait de manière intellectuelle et à la fois aussi une espèce d'écriture scénique en fait, qu'on élabore ensemble autour du projet d'un non-spectacle. Et ça s'appelle pour l'instant conversation autour du projet d'un non-spectacle parce que l'idée, c'est que ce sont des acteurs de la discussion qui discutent précisément du projet, de projets, de spectacles qu'ils sont en train d'élaborer ensemble. C'est ça, un non-spectacle, en fait, comme une forme de résistance face au spectacle. Comme une forme de... parce que déjà, c'est ce mot, en fait, spectacle, qui pose problème dans un premier temps. Je ne dis pas forcément le lieu spectacle, enfin, c'est-à-dire scène, salle, public, enfin, c'est-à-dire, est-ce qu'on pourrait pas juste arrêter, faire une pause, en fait, ce serait bien, faire une vraie pause, oui, voilà. On en a besoin. Est-ce que chacun ne ressent pas le besoin de cette pause dans son fort intérieur, je veux dire, est-ce qu'on ressent pas le besoin, une véritable pause, en fait, c'est métaphysique, c'est pas la pause. Le processus de création, c'est... Comme là, il n'y a pas d'échéance avec la situation en ce moment, on en profite véritablement pour essayer plusieurs versions. Donc on avait une première version qui était une version qui ressemblait à un bord-plateau. On était tous les trois dotés de micros et on discutait de ce projet de non-spectacle sous la forme de ce bord-plateau. Et puis là, on est en train de lâcher un peu ce dispositif-là pour essayer de trouver un dispositif un peu plus ouvert où on a l'impression que vraiment la pensée se construit avec les spectateurs directement sur le plateau. Alors pour l'instant, on n'a pas d'échéance de création. C'est pas quand on fera la création, ça sera sans doute dans l'année 2022, du fait de la situation sanitaire. Par contre, on a pas mal de résidences qui sont prévues, notamment à l'extérieur de la région, sur Paris, à Montpellier, dans le cadre peut-être des warm-up du Festival du Printemps des Comédiens. Ça permet de trouver d'autres pistes et voilà, de petit à petit construire le spectacle à la fois dans son écriture, dans notre rapport au jeu et aussi évidemment dans la scénographie et puis après la création de lumière, etc.